Bonjour à tous les amis, c'est Adoprestoxy, j'espère que vous allez bien. Donc là je viens de finir une mission The Widowmaker et ça m'en a lancé une autre, donc c'est celle-là. Désignation, alors je sais pas si je dois la sélectionner. Parce qu'en fait c'est ça, dans le jeu, par moment, il y a des missions qui vont se lancer automatiquement. Où en fait c'est l'ennemi qui va venir essayer de te capturer, un truc dans le jeu. Donc voilà, elle s'est lancée. Bah maintenant, je pense que je dois attendre et me préparer qu'ils arrivent. J'ai appris à conduire quand j'étais gamin. J'ai remonté mon premier moteur à 13 ans. On peut pas laisser les deux. Oh, je devrais avoir assez de balles. Ils essayent de venir me chercher. Bon, la dernière fois qu'ils ont essayé de venir me chercher, ils ont réussi à me capturer. Ils veulent que je quitte la ville ou ça se passe comment? Ah, c'est un support. Ça tue. Yeah. Bon. Ils ont disparu. Ils ont pas l'air très motivés à venir me chercher, hein. En ex, on les fait pas maintenant. À moins qu'elle s'est finie, et c'est peut-être fini, hein, je sais pas. Ça m'étonnerait puisque je les vénère. Ah, le groupe de capture est arrivé, mais ils m'ont pas eu. Ah là, c'est ça. C'est bon, ça a commencé. Bon. C'était beaucoup plus rapide que je le pensais. Je pensais que j'aurais résisté. En fait, ils sont arrivés, ils m'ont casé, les mecs. Ce serait plus simple de le buter direct. Non, ce n'est pas la volonté du père. Amène-le à John. Il est prêt à entendre sa confession.
Mes parents sont les premiers à m'avoir enseigné le pouvoir du oui. Une nuit, ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont jeté à terre et j'ai expérimenté la douleur. Encore et encore et encore. J'ai cru atteindre les limites de ma résistance. Mais non. Je me suis comme libéré à l'intérieur. Je n'avais plus peur, je voyais clair. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. Oui. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. J'ai ouvert chacun de mes ports un à un, et une fois rempli, j'en ai créé d'autres. Mais c'est Joseph qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais toujours, je recevais. Le plus beau don n'est pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on fait. Et pour ça, il faut du courage. Le courage d'admettre ses péchés. Pour les graver dans sa chair, supporter tout leur poids. Et après tant de souffrances, quand vous commencez à expier, les arracher tel un cancer et les brandir aux cieux de tout. Ça, c'est du courage. Je vais vous enseigner le courage. Vous allez apprendre à dire oui pour que vous affrontiez vos faiblesses, pour que vous affrontiez vos péchés. Vous franchirez un océan de douleur pour être libre. Ceci est la leçon numéro 1. Quelqu'un doit faire un choix. Je ne dirai pas où. Émerge, commence par toi. Tu ne la regretteras pas. C'est promis. Mais avant de commencer, je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Une confession se doit d'être privée, après tout. Je ne vais pas te prendre. Je vais plutôt te la rendre. Je vais t'ouvrir en deux. Pour déverser tes frayeurs. Et ce faisant, tes péchés se dévoileront un à un. Ce n'est qu'à cet instant que tu comprendras vraiment le pouvoir du oui. Je reviens tout de suite.
Je tiens à remercier John de m'avoir purgé de mes péchés. J'ai compris que c'était eux. Et ça recommence. J'espère que les autres bunkers sont plus sympas que celui-ci. Ferme cette cellule! C'est pas juste! Vous pouvez pas faire ça! Alors je vais te sauver, officier Hudson. Je vais te libérer de ce fardeau. T'aider à te confesser. Ça n'a plus d'importance. Après l'effondrement, vite te monter nous à la nous remercierons. Tête. Nous nous pardonnerons pour la peur et la douleur infligée. Mais on ne peut pas dire qu'elle en prenne grand soin. C'est un de ces boomers de luxe. Deux fois plus grand que les autres. C'est pas possible! Quelqu'un s'est fait descendre. Tu maintenant! Parti touché! Où les filles? J'aurais dû sortir mon arme plus tôt. Si, si. C'est abusé, ça, par contre.
Et je tiens à remercier John de m'avoir purgé de... L'effondrement. Ils nous remercieront. Ils nous pardonneront pour la peur et la douleur. Je ne porterai pas de jugement. Ouais. Quelle que soit la tournure des choses. Pas dégueu, le bunker de John. Ici, tu as juste à te confesser. À l'est, par contre, disons qu'un excès de grâce peut vite te monter à la tête. Face a créé des anges, mais on ne peut pas dire qu'elle en prenne grand soin.
Je sais pas où je dois aller. Oh, y a rien. C'est pas cool ça. Montrez-leur l'étendue de votre colère, mes frères. Dites oui, je suis prêt à donner ma vie pour le faire. Je viendrai m'occuper de toi quand tu seras prêt.
fois que j'essaye de te contacter. Il paraît que John t'a chopé, j'ai vraiment eu la trouille. Je suis content que tu t'en sois sorti. Je suis désolé pour Hudson. Mais on peut pas faire grand-chose sans la clé de John. Tu vas devoir la tirer dans un piège. La meilleure façon de faire ça, c'est de foutre en l'air la totalité de son opération. Donc à toi de jouer. Et voilà, donc c'était la mission désignation, j'espère que ça vous aura plu. Et ben on vient d'en avoir une nouvelle. On a un problème. Eden's Gate a créé un monstre. Ils l'ont appelé le révélateur. C'est un véritable char d'assaut. Ils essayent de reprendre les routes. Il y a une patrouille de la résistance qui se trouve sur son chemin. Ils ont besoin d'aide. Dépêchez-vous. Et une deuxième mission. Et ben je vous dis à tout de suite, hein, je mets fin à ce live pour en relancer un autre. Bon allez, zombie tout le monde.